Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc bien sûr, ça sera une vidéo cuisine cette fois-ci. Vous avez été nombreuses à me poser la question comment on faisait les choux farcis, dont l'intitulé en turc est lahana sarması dolması. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Alors pour la farce, j'ai haché mon oignon, j'ai lavé mon riz, j'ai ajouté ensuite une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe de concentré de piment doux, ou vous pouvez mettre du piment fort, c'est comme vous voulez. Ensuite, je viens d'ajouter 500 g de viande hachée. Pour les épices, donc c'est du sel et du poivre. Ensuite, j'ai ajouté de la menthe séchée en poudre. Donc là, ça doit faire au moins 3 cuillères à soupe. Donc c'est la menthe qui va donner le goût à cette recette. Ensuite, je vais ajouter un petit peu d'huile de tournesol. Donc là, ça doit faire à peu près 2 voire 3 cuillères à soupe. Donc là, bien sûr, j'ai ajouté un petit peu de piment, bien sûr, parce que moi et le piment... j'aime beaucoup. Donc là, j'ai mélangé le tout. Donc vous mélangez soit à la main, soit à la cuillère, mais c'est mieux à la main, je vous le conseille. Et vous laissez ça de côté. Alors donc là, nous allons passer à la découpe du chou. Donc là, vous voyez le contour, on n'en a pas besoin, donc on va le jeter à la poubelle. Donc je vais couper tout ça, je vais vous montrer comment je coupe mon chou. Ça prend assez de temps. On dirait pas comme ça, mais franchement, ça prend du temps. C'est pas comme une batavia. On coupe en 2 secondes, mais là, le chou, là, c'est un peu balèze. Donc, je vous explique. Je coupe feuille par feuille. Donc là, vous voyez, c'est dans la racine. Et hop, j'enlève. Voilà, j'enlève au fur et à mesure. Donc, tout ça, là, ça va être poubelle. Mais bon, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Donc voilà, donc là je vais faire le tri en fait. Donc hop, on s'est reparti, on recoupe la tige, voilà, un par un, pour avoir de jolies feuilles au complet en fait. Si vous coupez, bon, vous pouvez couper le milieu, mais moi j'ai pas réussi honnêtement à couper la racine au milieu, mais bon, faites comme moi, c'est plus pratique comme ça. Voilà. Là, vous avez vu, j'avais essayé de couper le milieu, enfin la racine, j'ai pas réussi. Donc rebelote, on recommence. Donc là vous voyez, c'était la fin, donc c'était bien blanc, c'est ça qui m'intéresse, cette couleur. Donc là je fais mon triage. Je trie les jolies feuilles assez claires, dont on peut mettre de la farce. Donc ça, c'est good. Ça, non, c'est poubelle. Ça va à la poubelle. Ensuite, ceux-là, je peux les garder pour les mettre, vous savez, en dessous de la casserole et au-dessus de la casserole. Donc regardez bien. Donc voilà, ceux-là, je peux mettre de la farce. Donc je les mets de côté. Voilà, et cela non, je vais les garder, je vais pas les jeter. Alors, donc dans une grande casserole, j'ai fait bouillir de l'eau, donc vous prenez une casserole assez profonde. Ensuite, quand l'eau a bien bouilli, nous allons venir ajouter les feuilles. Donc nous sommes obligés de passer par cette étape-là, car sinon on ne pourra pas enrouler nos feuilles, vu qu'elles seront bien rigides. Donc vous faites comme sur la vidéo, donc... là, je mets à peu près 2 feuilles, voire 3 feuilles en même temps. Et j'attends à peu près 5 minutes, le temps que... on va pas dire que la feuille va blanchir, mais quand même, ça, elle va changer un petit peu de couleur. Mais il faut qu'elle soit super souple. Hein. Donc là, 5 minutes après, je retire mes feuilles et je le mets dans une petite casserole pour un égouttoir. Voilà,
je ne connaissais plus le mot. Donc vous mettez ça dans un égouttoir juste à côté, vous préparez ça. Donc là on a à la fin, donc ça prend un peu de temps quand même, hein, à peu près 10-15 minutes. Hein. Donc voilà, donc comme sur les images. Voilà, donc là j'ai terminé. Voilà. Ensuite, j'ai vidé la casserole d'eau chaude, j'ai mis de l'eau froide et je vais venir ajouter toutes les feuilles de chou pour que ça refroidisse plus rapidement. Je vais pas les laver, je les mets directement dans l'eau froide et je vais laisser comme ça à peu près 20 minutes. Et ensuite, on pourra passer au remplissage des feuilles. Alors donc là nous allons poser une nappe de choux sur la casserole. C'est pour ça que je vous avais dit de bien garder les choux qui sont de couleur assez verte. Donc là je fais la même technique que les feuilles de vigne farcies. Donc voilà, vous les posez comme sur les images. Et ces feuilles, nous allons les garder pour recouvrir les choux farcis. Donc on les met de côté. Et là, je vais vous montrer comment je fais mes choux farcis. Alors donc là, au milieu, vous voyez, il y a un genre de tige, on va dire ça comme ça. Je vais venir le couper, car franchement, c'est pas agréable à le manger. Donc vous faites la même technique que moi. Donc là, soit vous allez couper en deux, soit vous allez la garder en entier. Donc là, je vais la garder en entier car c'est une jolie feuille pour moi. Et je vais venir ajouter de la farce. Donc faites attention, il ne faut pas ajouter beaucoup de farce vu que le riz va gonfler. Donc là, les deux côtés, je les rabats et je prends la feuille qui est en dessous, je la mets par-dessus et je enroule tout ça. Donc c'est la même méthode que les rouleaux de printemps. Hein. Donc voilà, vous obtenez un rouleau comme ceci. Donc là, je vais vous montrer une autre méthode. Donc comme d'habitude, je vais emblayer la tige. Voilà, donc là, je vais couper en deux la feuille. Et là, je vais essayer de trouver la bonne technique pour pouvoir enrouler tout ça. Donc vous n'allez pas réussir ça en du premier coup. Voilà, donc là vous cherchez comment vous pouvez enrouler ça comme moi. Donc là ça va, j'ai trouvé la bonne technique, donc je peux enrouler. Voilà, donc faites attention sur les côtés, il faut pas qu'il y ait des trous, c'est pour ça qu'il faut bien rabattre à droite et à gauche. Voilà, comme ceci. On y arrive, on y arrive. Faut pas désespérer, hein. Donc voilà. Et là, je viens poser mes choux farcis sur la casserole. Comme ceci. Donc là, vous avez vu. La feuille, elle est un peu bizarre, mais quand même, j'ai réussi à l'enrouler. Voilà, donc c'est vraiment plusieurs techniques. Hein. Moi, je fais au pif. Et je vous montre comment je fais. Voilà. Donc là, même là, c'est good. Donc voilà, toutes mes feuilles de choux ont été farcies. Donc là, je vous montre tous les tiges là, que vous jetez à la poubelle. Hein, vous les gardez pas. Ensuite, je viens recouvrir mes choux farcis avec des feuilles de choux. C'est pour éviter aussi que les choux remontent en surface vu qu'on va ajouter de la sauce liquide. Voilà. Et là, je viens poser une assiette comme ceci.
Faites pas attention à ma main. Ce jour-là, je me suis brûlée ma main en réchauffant le pot de ma fille au micro-ondes. Donc faites attention vous aussi. Donc là, nous allons passer à l'étape de la sauce. Donc je viens ajouter à peu près 1 à 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Et je viens verser à peu près 1 litre, voire 500 ml ou 700 ml d'eau bouillante. C'est comme vous voulez. Donc moi, comme je veux de la sauce, j'ai ajouté 1 litre d'eau. Et là, vous ajoutez un petit peu de sel aussi et vous mélangez le tout. Et vous versez cette préparation dans la casserole. Donc là, je vérifie s'il y a assez de sauce ou pas. Donc j'appuie sur l'assiette. Donc moi, j'ai ajouté les 1 litre. Hein. Mais bon, vous pouvez ajouter 700 ml si vous voulez pas beaucoup de sauce. Donc voilà. Et là, je vais laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes. Donc je vous montre quand même au bout de 10 minutes ça donne quoi. Donc là ça bout super bien. Donc l'histoire de l'assiette, c'est vraiment pour que les choux farcis ne remontent pas en surface, donc c'est une protection. Donc là je vais laisser à peu près 30 à 40 minutes et je vais laisser reposer à peu près 1 à 2 heures pour que ça refroidisse. Donc comme ceci. Donc là la casserole elle est bien froide, hein. Enfin quand je dis froide, bien tiède, je ne l'ai pas ouvert directement, je l'ai vraiment laissé reposer pour que le riz puisse bien gonfler après avoir éteint le feu. Donc là j'enlève l'assiette avec précaution, faites super attention, et je vais venir enlever les choux, enfin les feuilles de choux qui sont dessus, comme ceci. Et voilà, donc là les choux sont bien cuits, bien tendres, et je vais venir les poser sur une assiette comme ceci. Voilà, donc vous avez vu, ils ne sont même pas détachés les feuilles, hein. Donc il faut bien les poser dans la casserole et mettre l'assiette, sinon ben toute la farce va s'enlever. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc là, vous voyez que je mets un petit peu de sauce, c'est pour donner un petit peu plus de goût. J'espère que ça vous aura plu, hein. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !